DJ Master Premier. Salut à tous, c'est DJ Master Premier. Bienvenue dans mon podcast Astuces et conseils pour DJ. Si vous voulez devenir un DJ professionnel, vous êtes au bon endroit. DJ Master Premier. Dans cet épisode, nous allons parler principalement du métier de DJ. Nous allons parler des éléments fondamentaux à connaître pour appréhender le métier de DJ. Je vais vous donner les conseils et astuces. Un DJ, c'est une personne qui est là pour faire kiffer un public, une audience, avec des musiques variées et différentes. Un DJ est là pour envoyer la bonne humeur, la bonne vibe à des personnes issues de milieux complètement différents. Le DJ est là pour s'assurer que le public ne quitte jamais la piste de danse. Le DJ, vous l'aurez compris, c'est vraiment une personne extraordinaire qui comprend en un laps de temps son public et le fait danser le plus longtemps possible. DJ Master, revenu. Mais ne l'oublions pas, le DJ est avant tout un vrai passionné de musique. DJ Master, revenu. Le rôle d'un DJ est plus que déterminant pour la réussite d'un événement. Le DJ, c'est l'élément clé, c'est la pièce maîtresse de votre événement. Donc on ne peut pas s'en passer. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de sauver certains événements grâce à la magie de mes doigts. DJ Master. Le rôle d'un DJ tout au long d'un événement est plus que fondamental. Il doit comprendre, il doit anticiper tout ce qui se passe. Il doit rattraper l'événement. Il doit avoir une très bonne lecture de la salle, de son audience, afin de les maintenir sur la piste de danse tout au long de l'événement. Vous l'aurez compris, le DJ, c'est une pièce maîtresse pour la réussite d'un événement. Le DJ doit être identifié par un nom. Il doit avoir son propre nom de scène. Un nom qui doit être choisi suivant son parcours, suivant ses ambitions, suivant son environnement. Donc le DJ doit s'imprégner de tout un environnement technique. Il doit s'équiper. Il doit avoir du matériel. Ce matériel, on va en parler. DJ Master Premier. Le but de ce tutoriel n'est pas de vous former sur l'apprentissage technique des différents équipements, mais plutôt de vous donner une vision globale de ce qu'a besoin un DJ pour démarrer le métier. DJ Master Premier. Donc en termes d'équipement, le DJ a besoin des platines CD ou des platines vinyle pour passer la musique. Il a besoin également d'une table de mixage ou, aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans le milieu, dans le monde du DJing, c'est un contrôleur. C'est le regroupement de tables de mixage et platines du 3 en 1. DJ Master Premier. Le DJ doit s'imprégner des différentes techniques de mixage qui existent. Les plus répandues, les plus reconnues, les plus réputées sont le mix au calage tempo, le mix au fondu enchaîné, le mix au cut, le scratch, le mix reverse improvisé, le wood up ou encore en d'autres termes le feedback et une dernière technique qui s'appelle le motor off. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans la technique détaillé de ces différentes techniques de mix. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. DJ Master Premier. Il est vrai que comprendre les fondamentaux de ce que je vous ai expliqué juste au début sont très importantes, mais ça reste difficile à réaliser. C'est pourquoi je vais vous parler de mon histoire, de mon expérience. Ce sera ça le but principal de ce podcast. Tout au long des épisodes qu'on verra ensemble, le but pour moi sera de partager avec vous mon histoire et mon expérience afin de vous permettre d'obtenir des conseils et des astuces pour devenir un DJ professionnel et d'en faire un véritable métier. DJ Master Premier. Avant de démarrer, il faut se trouver une identité, un nom. Le nom, il faut le définir en fonction de son expérience, de son vécu. Pour ma part, mon nom a été choisi grâce à mon expérience avec mes amis. Mes amis m'appelaient Master. J'ai tout simplement rajouté le Didier devant le Master et ça a donné Didier Master. Ensuite, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait Didier Master qui existait dans un autre pays. Donc, il a fallu me démarquer de ce Didier Master. J'ai rajouté Premier. Voilà comment est né Didier Master Premier. Didier Master Premier. Dans l'idée, le Didier doit toujours se démarquer. Donc, j'ai commencé par me démarquer par mon nom. Didier Master Premier. Pourquoi Premier ? Premier parce que j'estimais être le meilleur dans ma catégorie, dans ce que j'allais faire, dans mon métier de DJ. Certes, je démarrais, mais je me voyais déjà comme le meilleur. Donc la démarche, elle a été à ce niveau-là. Trouver un nom unique, identique et qui reflète notre personnalité et notre ambition. Après avoir trouvé mon nom de scène, il a fallu que j'identifie mon profil de DJ.
Qu'est-ce qu'un profil de Didier? C'est savoir si je suis un Didier de club, de discothèque, un Didier d'événements privés, un Didier d'événements corporate, un Didier d'événements publics, un Didier de concert, un Didier de festival. Il a fallu que j'identifie ce profil-là. Il a fallu que je mette en place une démarche pour me permettre de choisir vers quel profil j'allais m'orienter. Pour faire son choix de profil, il faut se connaître soi-même. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on aime? Quel type d'événement à titre personnel on aimerait assister? Toutes ces questions vont nous permettre de comprendre et d'identifier quel est notre véritable profil. Est-ce qu'on est fait pour être un Didier de boîte de nuit, de discothèque? Est-ce qu'on est fait pour être un Didier d'événements privés et autres? Personnellement, j'ai une très grosse passion pour les événements privés. Pourquoi? J'adore la diversité. J'adore faire plaisir à des personnes de générations différentes. Je ne suis pas calqué sur un modèle très tendance. Je ne suis pas uniquement passionné de musique du moment. Donc, je suis très ouvert. Raison pour laquelle j'ai commencé par me spécialiser dans les événements privés. Donc, au début de ma carrière, vous l'aurez compris, j'ai été le Didier d'événements privés tels que des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des fêtes entre amis, des réveillons. C'est une première étape qui m'a permis de développer mon répertoire musical. Donc, après avoir fait le tour des événements privés, j'ai eu l'envie de découvrir autre chose, de m'orienter vers du clubbing pour toucher un public plus varié, plus large, pour un nouveau challenge. Mais avant de faire ce choix, je me suis senti capable. Il faut se sentir capable. Il faut se sentir capable de pouvoir switcher d'un profil à l'autre. Si on ne se sent pas capable, vaut mieux rester dans ce qu'on maîtrise. DJ Master, premier. Donc vous l'aurez compris, le choix de votre profil dépend principalement de vous. Vous vous connaissez mieux que n'importe qui. Donc en résumé, aujourd'hui nous avons vu le choix d'un profil de Didier, la définition du métier de Didier. La prochaine fois, nous aborderons d'autres sujets comme par exemple le choix d'une identité visuelle, la promotion et bien d'autres. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. En passant, n'hésitez pas si vous avez besoin de booker un Didier professionnel pour votre événement. Orientez-vous vers la plateforme mastaticrecords.com qui s'affiche. Vous retrouverez des Didier professionnels qui ont de 5 à 15 années d'expérience en montant et qui sauront répondre à vos attentes. À bientôt sur Mastatic Records. DJ Master, premier.